Salut jeune pubère. Let's play GTA V, épisode 19. C'est ici, c'est nulle part ailleurs. J'espère que t'as la patate. Nous en étions à la préparation de notre braquage. Notre superbe Trevor a vomi. Ça a été nettoyé par Brigitte. Et maintenant, on va aller directement. J'aime bien cette musique. Je crois que c'est les Bee Gees. Tu connais pas ça, toi, les Bee Gees? Trois gars un peu castrats sur les bords qui chantaient vachement aigu. C'est plus l'époque de mes parents à moi. Donc c'est pour dire que ça date. Ça rigole pas. On va rejoindre la voiture. Si la voiture est là, bien évidemment. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Épisode 19. Franchement, ça le fait bien. Tu as remarqué que nous avons reculé d'une heure. Et du coup, quand j'en... Oh là, des chacos. Moi, j'aime pas les chacals. Deux secondes. On se fait juste un chacal ou deux. Pour le fun. Hop là. Toutou. Toutou. Merde. Qu'est-ce que je suis bidon. Tiens, t'as dit... Oh, il est sorti de la terre. Ils sont sortis de la terre. Franchement, j'ai jamais vu. On a changé d'heure. Et le fait d'avoir... Oh, il y a un chien. Mais il a qui, ce clébard? Il est gentil ou pas? Tranquille, le toutou. Mais c'est le chien à Franck, là, ça? Comment on peut faire pour le chien? C'est que je siffle comme un con, mais il m'entend pas, hein. Si je prends la moto, je sais pas si je vais pas énerver les gars qui sont assis là. Mais cette moto, faut avouer qu'elle est sympa. Excuse-moi, je te l'emprunte. Je la ramène la semaine prochaine. Et je suis pas du bon côté. On y va. Non, ça va, il s'en fout. Et je sais pas, j'étais en train de te faire un sketch sur le changement d'heure du coup, là. Plus rien à foutre. Changement d'heure, t'as compris ma gueule, que maintenant il fait nuit super tôt. Donc du coup, quand j'enregistre, chez moi, je suis obligé de mettre ma lumière. Et je déteste ma lumière parce qu'elle est à moitié jaune. Donc le rendu caméra, tu verras une vieille gueule un peu jaune. Alors déjà, j'ai pas un super caméscope. Si tu me rajoutes une lumière de merde, en fait, ce caméscope, pour que ma tête, elle passe pas mal, il faut un super soleil dehors. Lumière naturelle, magnifique. Mais j'ai pas de lumière de studio, moi. C'est pas que ça va foutre, puis je sais pas où je le stockerai. Mon appart, il est tout petit, et ça le ferait pas. Petit trou arrière, pour faire plaisir aux abonnés de la PCC. Hop là, regarde, freestyle, le petit Trevor. C'est un fou. Là, on va récupérer le matos militaire. On a déjà récupéré je ne sais quoi à l'épisode précédent. Pour le petit braquage de la banque, vous savez, au fin fond du trou du cul du monde, avec Mr. Lester et Franklin, on avait fait la petite course pour rentrer à la maison. Et elle se conduit super bien. Ah, waouh, l'enfoiré. C'est fait exprès. Ces voitures dans ce jeu, elles ne font que changer de direction. On dirait franchement que c'est fait exprès, quoi. Tout le temps. Tu peux être sûr que dès qu'il y a un machin qui va tourner, tu peux être sûr que... Hop là, militaire. C'est où que ça se passe? Pourquoi j'ai mis un point ici? Moi j'ai mis un point de repère ici, c'est qu'il y a un truc. Une seconde. Il met son casque quand t'arrives. C'est normal. Tu mets toujours ton casque quand t'arrives. Mais j'avais un H quelque chose tout à l'heure, je l'ai plus. Bon, c'est génial. Maintenant il est passé là. C'est ça? Équipement militaire. En fait, je pense que l'équipement militaire, en fait, il est mobile. C'est pour ça qu'il est plus là. Hop là. Casser les barrières avec une moto, c'est complètement logique. Ce que je te dis, parce que là on va se taper du travail. Oh, et des vaches et des moutons, mais c'est génial ici, hein, j'ai jamais fait gaffe. On va se taper des heures de kilomètres, je dis n'importe quoi, des heures des kilomètres de route. Oula, t'as vu comme par hasard. Toi tu veux le doubler, qu'est-ce qu'il nous fait? Il tourne à gauche, regarde lui, hop là, il avait pas prévu de tourner à gauche. Hein. C'est juste, regardez, c'est mathématique le truc. C'est un peu bidon d'ailleurs. C'est pas très réaliste, quoi. Tu n'es pas forcément obligé de tourner à gauche dès qu'il y a une route, quoi. Voilà. Et là, ils vont tout... Regarde-lui. Là, dès qu'il va me sentir arrivé, il va tourner à gauche. On parie combien? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord qu'il m'a foncé dessus, le gars? Moi, j'ai rien fait, hein. J'étais sur ma voie. Hein. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, là. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire... Nous, on a compris, t'es vraiment con, et c'est pas joué. Ouais, ben moi, j'ai rien compris. En même temps, je fais que parler, je regarde une caméra. Peut-être que ça se bouge un peu le boule aussi, le chargement. Il s'est passé 5 minutes 26, on n'a rien fait encore.
M'en fous. Mon let's play fera, c'est à peu près 653 épisodes. Moins 1500. Oh, Jack, il a pas une. Oh, il a pas un lové, Trevor. Moi, j'ai un Trevor super pauvre. Un truc de dingue. Bon, rien à l'horizon. Je me suis fait dégommer la gueule. C'est génial. Et ben, on va retourner chez Trevor. Je vais trouver une bagnole, je sais où. Et peut-être pas voler devant les flics quand même. Mais on n'a pas le choix. Hein. Allez, c'est parti. Je vous dis à tout de suite devant chez Trevor. Ça sera plus simple. Nous y voici. En fait, c'était vraiment à côté, quoi. C'était à 2 mètres, j'aurais pu y aller à pied. Moi, j'ai pris la bagnole. Je me suis fait chier à tabasser un mec pour prendre sa caisse. En fait, c'était là. J'avais juste à marcher un petit peu sur la droite. C'est pas grave. C'est fin de journée, je suis fatigué. Bon, est-ce qu'il va se passer de l'action? Voilà. Nuit, jour, matin, nuit. Hey, Jimmy, it's your dad. Listen, if you get this, can you give me a ring? Tell your mom too, will ya? And Tracy. Please, son. Your daddy's been a bad boy. Please, son. You want a sniff? The fuck is wrong with you? Oh. Now, see, the way I see it, this country was built by and for gasoline. So I'm just trying to prove my patriotic duty by, you know, doing this stuff. Oh, man. It's cheap, but it's good. Gasolina? No. Wow. Sorry, Mrs. M. Jesus. Mikey, you want a beer? Oh, shit, I'm sorry, I don't have any low carb. Fuck you. Where'd you two go when you went out, you and your boyfriend? Why do you care? I don't care. Just trying to conversate. Well, I was out putting some people in their place. Ah, you know, there's more to this gig than just going crazy all the time, killing everyone in sight. Just because I like the life? And you feel guilty about it doesn't make you more of a man than me. And you know what? Deep down, I know you believe the bullshit. The picket fences, the fucking happy endings. And your street philosopher bullshit. That's gotten you real far. Oh, yeah. You've achieved perfect balance. Balance? You've gone. Man, 10 years in the sun, your brain has melted. You say words that have no meaning. What is balance, huh? Huh? Did I fucking kill only on the weekends? So Monday, Wednesdays, and Fridays, I'm doing yoga and meditation. Tuesdays and Thursdays, hookers and sticking up joints, huh? You call me mad? Fuck, compared to you, I'm the sanest motherfucker I know. Oh. Yeah, sane. Okay. I am so fucking sane that I should open a fucking mental health clinic. Okay, yeah. Yeah, fuck, now you're gonna stop being an asshole? I don't know, but I'll try. Well, that, I like your honesty. I spoke to Franklin. Why? Unlike you, he hears that his homie's having trouble, right? And he has no problem coming to help. So you're ensuring that we lie low. Out here, by calling LS and inviting a known accomplice of ours to come out here, what, for a little visit? That is so fucking typical of you. So typical. You don't even ask about the trouble. You instantly think about yourself. You're right. I did do that. Apologize. It's not good enough. I'm leaving, huh? I might die. Hope you're happy. Right. Hey, I'm coming with you. No. Yes, I am. No. If nothing else, then to get out of this fucking dump. You're not going. Have fun, boys. Well, I'm going. Make sure you don't. Don't stay out too late. La femme du boss là, c'est bon, elle est bien, elle est chez Trevor, elle est comme à la maison, tu vois, elle lui fait son ménage, sa petite gâterie, non, mais nickel. Lui il s'est pris une femme de force, il n'a pas cherché à comprendre, il s'est dit toi tu vas être ma femme, direct. Je pense qu'elle devait pas être très bien chez son. J'aime pas quand ils me préviennent pas qu'on change de personnage, ça m'énerve, ça m'irrite. Je les rends en face de moi, ils prennent un coup de tête chacun, direct. Donc on est où là? Yeah. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Avec le toutou. Poursuivez les frères O'Neill. C'est parti. Action directe. Mission prédateur. Je les poursuis ou je les arrête? Ça se passe comment? Là je les rattrape, hein. Ils sont easy. Hein. Dès que Trevor sera là. Ok. Hop, on appelle Trevor. Leur péter la gueule.
Hey man, me and Chop on these punks. We coming up to on remonte au route ouest, au nord de Shushman. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that excusez-moi, means you're je lis en même temps là. Canyon, right? Shit, I guess. J'essaye. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, my guy. Hola, les coquins, plus la voiture d'en face qui est là pour t'emmerder. Du coup, je peux plus lire parce que maintenant c'est plein de virages. Et j'ai pas envie de fail la mission. Ça fait trop longtemps qu'on fait les cons. Faut qu'on aille droit au but. Donc du coup, je sais plus ce qu'il faut faire. Ils parlent trop là, ils sont en train de me saouler. Ta gueule. Voilà, merci. Oh là là, merci le petit mur. Parce que sans petit mur, ça voudrait dire que là, je me retrouverai dans la rivière. Normal. Oh la biche. Oh. Et ils vont crever. Elle va exploser la bagnole. Oh non. Il y en avait pas un qui était... Il y en a un qui était raide. Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est bien, mon chien. Vas-y. Rejoignez la voiture. Allez, go. Mais moi, je rejoins la voiture, mais... Avec un petit Uzi, c'est plus prudent. Oh, allez, 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 allez. Mais elle va péter la gueule, il est fou. Faut pas y aller à la voiture. Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed. They dead? No, they gone. They ran into the fucking woods, man. Ouais, d'accord. I need air support like right fucking now. Ok. Appui aérien, ça veut dire que ça va être encore showtime, avec des avions et tout le bordel. C'est pas grave, je commence à maîtriser la voltige. J'ai même failli être recruté dans la voltige française. Tu sais, pour le 14 juillet avec les bleus, blancs, rouges. Je te jure, c'est vrai. Don't worry. Incoming. Rejoignez l'aérodrome. Comme par hasard, nous étions sur le chemin de l'aérodrome. Qu'est-ce que c'est bien foutu. Et on va tourner direct. Allez, hop. Incoming. L'avion va apparaître devant nous, non? En général, ils apparaissent, les avions. Voilà, hélicoptère. Il appartient à la boîte, tu m'étonnes. Allez, go. Juste un peu de concentration, on est parti. Michael, Trevor, tels des soldats du FBI. Regardez la maîtrise parfaite de l'engin. Moi et l'hélicoptère, nous ne faisons plus qu'un. Il va bien, celui-là, il est léger. Parce qu'il y a des hélicos un peu plus chiants quand même. Celui-là, ça va. Ça remonte un peu. Là, je fais le show, mais tout à l'heure, je vais me cracher. Ouais, ça va, c'est pas trop loin. On va peut-être descendre un peu. Superbe vue sur... Je dirais le petit matin. Non, c'est quelle heure? 22h. Ok. C'est pas du tout le petit matin, mais superbe vue quand même. Il paraît qu'il faut... Qu'est-ce qu'il parle fort? Il paraît qu'il faut passer un peu sous les ponts pour faire des... De la compétence ou je ne sais quoi. J'avoue que j'ose pas trop le faire, surtout en pleine mission. Mais, à l'occasion, faudrait qu'on s'y essaye. Quoique là, je suis un peu chaud patate, j'ai bien envie d'essayer, tiens. On va tourner un peu par là. On va aller voir si c'est pas un petit pont ou descendre. Franchement, il est super malléable celui-là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont là. Donc on fait quoi là? Je tire? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut passer dans le... Ok. Yes, aïe. Vous êtes allé chercher la signature. Thermique, direct. En voilà un. Hop là. De 1, là c'est une biquette. Ici peut-être. Là, ce sont que des biquettes. Des bambis et des sangliers. Et moi je veux encore deux homosexes. Une biquette. On va redescendre plus bas. À moins que, tu sais, tu te mets à quatre pattes avec des cannes sur la tête. Franchement, en visée thermique, moi c'est ce que je ferais hein, pour me faire rodave. Hein. Quatre pattes,
Merde, lui il a tout compris. Une tortue. Oh là, j'ai raté. Hop là. Hop là. Voilà, lui c'est fait. Et là, si le mouvement est abattu, plus haut, Michael, tu les trouveras sur la colline. Sur la colline. Oh, la roquette. Oh, la roquette. Ah, sa mère. Je ne peux pas l'atteindre. Donc là, on envoie le chien, c'est à toi. Et je suis obligé d'être le chien, moi, c'est ça? Allez, cours, cours, cours. Et je vais où, là? Avec le chien? Et je vais où avec le chien? Ah, c'est le point bleu. En fait, je dirige rien du tout. Le chien, il court tout seul, c'est ça? C'est ça. Bon, là, vas-y, mon petit toutou. Fais-toi plaisir. Allez, saute. Allez, saute. Allez, saute. C'est bien, mon chien. C'est bien, mon toutou. Allez, on y va. Voilà. Allez, mon toutou, vas-y. Attrape-lui les boules. Tu le chopes au coronès, direct. Tu lui fais une dédicace. Là, ici, il est là. Il est là, 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 il est là. Il est où? Bon, ok, il a plus envie. Allez, on reprend Franklin, qui a suivi son... qui a suivi son... son chien. Allez, cours, sérieux. Allez, dépêche-toi. Là, ici. Voilà, lui c'est fait. On l'a battu. Quoi qu'il y a encore un point rouge. Voilà, nickel. On reprend Mr. Trevor. Et on va récupérer Chop et Franklin à Raton Canyon. Tout l'objectif sera de pas tuer toute la famille, en fait, tout simplement. Doucement. Nickel. BGM. Faut dire aussi qu'il se conduit vraiment très bien, Silico. Et il y a pire, quand même. Il y en a certains, franchement, ça tangue, je te le dirai. Prochain arrêt, aérodrome. Mission terminée. Et je vous dis à la semaine prochaine. L'épisode bidon, tu sais, dure 2 minutes. Voilà, petite mission de merde. C'est comme ça qu'on fait du business. Des petites missions de merde. Des épisodes de 12 minutes 30, pas plus. Une mission coupée en 53 épisodes. Je vais te faire rêver, moi, tu vas voir. Bon, je pense qu'il serait bien qu'on avance un petit peu. Ça serait cool, par contre. Moi, j'ai envie de vous dire, on se retrouve dans 3 minutes, le temps de faire le trajet, parce que j'ai l'impression que c'est super loin. Quoique, je sais pas. Ouais, à tout de suite. Bon, les gars, nous voilà arrivés à l'aérodrome. Si je me permets de couper, c'est surtout pour dynamiser un peu cet épisode et faire plus de missions, parce que si on se tape que des trajets comme ça, où ils font que parler, et moi, j'ai pas forcément toujours des choses à dire pendant les vols, eh ben, je trouve ça plus sympa, moi, d'abréger de temps en temps, histoire que t'aies plus d'action et qu'on avance un peu plus vite dans le let's play. Parce que là, il doit me rester encore 20% facile. Allez. Doucement. 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 Na 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 na, le jour. Ça, c'est les chansons que je chante à mes enfants. Ouais, mais pas avec cette voix. Parce que si je la chante avec cette voix, elles vont porter plainte. Allez, tranquillou. Atterrissage dans le H. Nickel. PGM. Non? Ok. Bon. Et bah, pas PGM. Ils ont pas envie de sortir. Alors, on tourne sur soi-même. Voilà. On ralentit un peu. Supercopter, c'est mon affaire. Doucement, doucement. Voilà. Et là, on y va tranquille. On y va tranquille. On y va tranquille. Voilà. PGM. Suffit de demander. Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey, Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Sure. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Ciao. Get in. See you back at Castle Phillips, Mike. Yeah, thanks for the warning. Bon, les gars. Mission terminée. Résultat argent.
Aucun défi remporté. Tir dans la tête, aucun. Normal, j'ai envie de te dire. Et là, on va enchaîner. Un convoi de matériel militaire est en route. C'est parti. Convoi de matériel militaire. Là, on va prendre l'hélico et on va aller direct au convoi de matériel militaire. C'est le plus simple. Vous êtes désormais automatiquement équipé d'un parachute lorsque vous montez dans un hélicoptère ou un avion. Nickel. On n'est jamais trop prudent. C'est ce que je vais faire. Je vais m'éjecter direct au-dessus du convoi. Tu vas voir. T'auras jamais vu la prise d'un convoi aussi bien. Moi, je vais survoler la zone. Je vais me lâcher en parachute. Je vais atterrir sur le convoi, égorger le conducteur et voler leur camion ou leur moto, je sais pas ce qu'ils ont. On était vraiment pas loin, surtout à vol d'oiseau, c'est nickel. On va ralentir un peu, histoire d'arriver en hélico tel un super-héros. Par contre, j'ai peur d'atterrir doucement, doucement. Le matériel ne doit pas être détruit. Atterrissage. Non, décollage. Hop là, j'ai rebondi. Hop, voilà. Donc le convoi... Ah, mais il avance le convoi. Eh ouais, c'est-à-dire que je dois me taper les gars, moi. Ils sont où? C'est ça le convoi militaire? Ce qu'on va faire, je vais atterrir devant eux. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il y a des flics et tout. Doucement. Voilà, atterrissage. Voilà, ici. Sors d'ici. Tac, allez, vite, 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 vite. Là, tu cours, voilà, on fait style, on est à pied. On sort le militaire, et là, c'est la guerre. Là, je suis mort, là, je suis mort. C'est parti. Allez, on y va. Allez, on se casse, allez, on se casse, allez, on se casse, allez, on se casse. Wouah. Olé. Oh, il y a du verglas. Non mais je suis dans la merde là, franchement je vais me faire poursuivre. Je vois pas du tout comment je vais échapper avec un camion qui va assez doucement. Ça va pour l'instant, j'ai pas d'être. Oh mais c'est qu'ils me foncent dessus les gens. Mais c'est qu'ils sont chauds patates. En plus je suis à 2 km. Non. Allez on se dépêche. En tout cas, si ça se passe comme ça. Oula. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Je vois pas comment je vais faire là. À moins que je m'en débarrasse. Parce que je dois l'emmener en bonne santé le convoi là. Ce serait bien que j'aurais peut-être dû tuer tous les gars qui avaient autour, non? Allez, dégage. Hop là. On passe sous le pont. On enchaîne. Mais ouais, mais le problème c'est qu'ils me suivent là. Ça... Enfin, je sais pas. Je suis un peu stressé parce que pour tout te dire, mon camion est à fond de balle. Je suis poursuivi par les G.I. Joe derrière. Et je crois qu'ils vont me crever les pneus. Je vais ramener le convoi. Il va exploser. Bon, allez, on y croit. 700 mètres. On arrive. Il va falloir que je me fasse la guerre, hein. Y a pas photo. Hein. Faut que je sorte du camion et que je fasse la guerre. Regarde, ils sont trop derrière moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Hop là. Ah, et même le tracteur, il me fait barrage. C'est quoi ce délire? Mais j'étais pas arrivé là, c'est quoi ce truc? Hop là, coucou. C'est bon? Ok, bah, je suis obligé de faire la guerre. Allez, c'est parti. On se cache. Ils sont où? Hop là. J'avais oublié les super facultés à traiter. Traiter, c'est un PGM. Allez, cache-toi. Hop là. Annule ça. C'est parti. Ah, il y en a qui contourne. Il y en a qui contourne. Voilà, lui c'est fait. Ils sont un peu nuls ces militaires quand même. Je veux dire, ils ont trop joué à Call of Duty. Il est là-haut le coquin. Hein. Il est là-haut, hein. Voilà, et là il me reste un. Oula, doucement. Détruis pas le camion, ce serait dommage. Voilà, nickel. Nickel. Matériel militaire, chasseur de tête. Stratégie explosive. Ah oui, peut-être que j'aurais dû faire péter les deux voitures à... Tu vois, une petite bombe collante, un machin, tu fais tout péter. Mais bon, c'est pas dégueulasse. On en est où, là? On a chopé le convoi militaire, on a chopé je sais plus quoi. Et maintenant, on est dans la merde. C'est quoi, ça? Là, c'est quoi, ça? Maison, on s'en fout de la propriété. Est-ce qu'il y a des trucs à faire? Maintenant, je crois que c'est... Il faut que je change de personnage, c'est ça? Ce sera plus simple. S'il te plaît.
Pourquoi il appelle Lester ce con? Bon, Lester. Lester the molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right. We might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Bon, on se retrouve au labo. Eh ben, j'y suis. C'est nickel. Allez, mission. On va enchaîner sur la mission. Je suis super sérieux là. C'est impressionnant. C'est fin de journée. Je suis posé. On va enchaîner sur la petite mission du braquage. Nickel. Lester va nous rejoindre. Il va nous faire un topo. Michael Franklin vont venir. Et ça va bien se passer. C'est hideux sa cave. Faut peut-être penser à ranger un jour quand même. Et c'est pas là qu'il faut que j'aille. Je viens pas souvent ici, pour tout te dire. Pour te dire la vérité. Allez. Allez, dépêche-toi. C'est pas là non plus. On va continuer. Voilà. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her? Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Wow, she's 57. And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, you mother... Hey! What? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're going to do this thing. Any questions? Comments? Yeah. Miss Brad, that crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in, they grab the take, they rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great, let's go. Bon. C'est l'heure. On n'a jamais été aussi près, aussi proche du but. Allez, on va la jeter, se jeter. Oh putain, 5 km. Waouh, mais sérieux, les trajets de psychopathes qu'ils font à chaque fois, ça tue les missions. Bon là, c'est une mission, on va... Ils vont faire parler en plus. Oh, ça... J'ai du mal à parler parce qu'ils me parlent dans les oreilles en même temps. Oh, il y a un son unique là. On va éviter de faire les cons avec les gars du FBI dans le coffre. Hein, ce serait que de moi, tu vois ce qu'il y a derrière là? Je le prends direct le saut. Il est magnifique ce saut. Je l'ai fait une fois, c'est sublime. Ce que j'ai envie de te dire, dans 5 km, c'est, franchement c'est trop long. Là je vais te faire une petite avancée rapide de la chose. Bon les gars, nous voilà à 180 mètres. Ils ont parlé tout le trajet, comme prévu. Ils m'ont bien mangé le cerveau, c'était génial. Ils se racontent leur... Allez, c'est parti. Je suis qui là maintenant? Continue, on a déposé Franklin. J'ai garé le camionnette près de l'entrée de la banque, nickel. Ça va être chaud patate. J'espère qu'on va pas fail. Hein, on va se concentrer, on va faire ça bien. Tac, le petit virage. Et je me gare ici. C'est parti. Allez, on rentre dans la banque. Et on va faire la guerre. Tranquille, on arrive cagoulé comme des sauvages. Tout va bien. Hop là, ça c'est fait. Et je vais où là?
Bouge pas, ou je te fais la bituine. Toi la biatch, enlève ta cravate, enlève ton haut, mets-toi quatre pattes. Voilà, quatre pattes, voilà, ne bouge pas, merde. Bon, désolé, je voulais faire mon pervers. Je fais quoi? Mais qui surveille notre employé de confiance? Ok, et moi, je m'en vais ici. Je fais quoi? Employé de confiance. Te relève pas. Ah, ok. Michael, c'est parti. Je suis Michael. Pousse-toi, voilà. Tac. Les Kiss Days arrivent. Je sais pas, sa putain de gueule. Je crois que tu vas mourir dans pas longtemps, toi. Je serai toi, je serai pas le malin. Bam. N'approchez pas. Ou t'as des orages. Ok, des otages, pardon. Ouh là 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 là. Allez, on va au coffre. C'est parti. Allez, saute. Allez, putain. Allez, cours, Forest. On est là. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est très cinématisé, tout ça, hein. Butin, 8 millions. Oh, j'espère qu'on va les gagner. Mais si, on va arriver à l'aéroport, t'inquiète pas. Je veux flinguer du gangster, espèce de coquin. Oh, des mastodontes, oh. Oh, Trevor, il est fou. Tu m'étonnes, bordel de merde. On va faire carnage, les amis. Ce portue. Je suis chaud, patate. Dégage, toi, dégage. Hop là, ton petit frère. Oh, c'est trop ce qu'il me fallait. Ça, c'est de l'arme qu'il faut. Te mets pas au milieu. Pousse-toi, je peux faire très mal. Toi, ton petit frère, ta sœur, ta mère, ta voiture, elle sert à rien. Ça, c'est de l'arme. Voilà, ça fait plaisir. Ça sert à quelque chose. C'est pas un snipe. Là-bas au fond. Tac. Allez, explose. Voilà. Voilà, l'autre, il est caché. Ça sert à rien. L'hélicoptère des G.I. Joe, on va le faire péter en deux. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. Et de un. Pourquoi on perd des thunes? Comment ça se fait qu'on perd des thunes? Hop là. Michael. Et Michael, il fait quoi? Avancez, je vous couvre. Allez. Allez, hop là. Hop là. Hop là. On fait quoi, là? Allez, je reprends Franklin. Trevor. Moi, j'aime bien Trevor, ça va bien. Parce qu'avec Trevor, ça fait mal. Avec Trevor, c'est mieux, moi, je trouve. On fait péter les voitures, ça va plus vite. Hein, on se prend pas la tête. Tu fais un balayage latéral de sécurité. Voilà. On se débarrasse de à peu près toutes les choses qui nous posent problème. Tu arraches des bras, tu arraches des membres. Pourquoi on perd des thunes? Pourquoi on perd des thunes? Il y a sûrement une explication, hein. Mais je la connais pas. En plus, on est super équipé avec des morceaux de mastodonte là. Avant de crever, on peut y aller. C'est le moment, on y va. Mais il y a encore du flic, non? C'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? On se barre par là, c'est ça? Allez, cours, biatch. Hop là. C'est vraiment le bordel. Moi, j'avance un peu à fond dans le tas. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais dans tous les cas, ça me fait plaisir. Dédicace. Tiens, hop, tonton. La petite sœur. Voilà. Let's go. Il y a un truc vert, là. Ah, c'est ça qui a explosé, c'est ça le truc vert? Il y a encore un gars par là. Ou 5 étoiles, tu m'étonnes, on a carrément l'armée là. On a tout fait péter. Allez les gars, on court. C'est un peu lourdeau, on n'a pas le choix. Passe en force, tu m'étonnes. Ouh, il y a encore du monde. Ah ouais, là on est suréquipé là. Là c'est like. Oh, carrément. Là c'est mieux de prendre Trevor, je crois. Parce que là il y a du gros tank. Ah ouais, là, faut y aller à la bourrin, là. Là, il n'y a plus le choix, là. Là, c'est la guerre. Là, c'est la troisième guerre mondiale. Faut tout faire péter. Voilà. Hop, un petit coup de Michael, je sais pas pourquoi. Jetez vos armes. T'as raison. On est suréquipés. Tu crois vraiment qu'on va jeter nos armes? Hop là. Allez, recharge-moi tout ça. Allez, pendant qu'il recharge, moi, je reprends Michael. Franklin, je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire, ce bacala. Allez. On reprend Michael, s'il vous plaît. Voilà. Hop là. Ils sont plus là.
lui, il n'existe plus. Oh, il y a du renfort, hein. Il va falloir se concentrer, les amis, je vous le dis. Si on veut pas faire la mission maintenant sur la fin, ça serait dommage. Hop. Heureusement qu'on est suréquipé parce que, franchement, je crois qu'un coup comme ça, t'es... Voilà, nickel. C'était le stress, ça me fait beaucoup parler, le stress. Par contre, je vois pas pourquoi on perd des thunes. Oh, elle est terrible, cette arme. Je languis d'être niveau 120 sur le multi pour l'avoir. Allez. Ils vont arriver carrément les G.I. Joe, quoi. On va avoir un tank tout à l'heure, c'est pas possible. Voilà, lui c'est fait. Lui c'est fait. Lui c'est fait. En fait, je crois que ça va jamais s'arrêter, c'est ça? C'est ça, hein? Voilà, nickel, fallait avancer un petit peu. Wow, il dépose un tank! Carrément, il dépose un tank, les mecs! Je vais continuer. Pour relever ou abaisser le... Hein? Ouais. Je dois faire quoi, moi? Je dois faire quoi, moi, avec ce truc? Allez, on y va. 300 mètres du but. Pendant une bonne guerre, rien de tel que... qu'une pelleteuse. Il faut toujours avoir une pelleteuse. Allez voir Michael et Trevor. Dégage. Voilà. On m'a fait chier cette bagnole. Hop là, pousse-toi. Heureusement qu'elle est bien protégée. Hein, c'est une pelleteuse blindée de chez Black & Decker. Des pelleteuses comme ça, t'en trouves pas partout. On en a beau tirer dessus, il se passe rien. Voilà, on dégage les bagnoles, on écrase les gens qu'il y a dedans. Sinon, c'est pas rigolo. Allez. Allez. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. En plus, je suis en train de lever la pelle, je sais pas pourquoi. C'est en train de me saouler. Allez, avance. Dépêche-toi. Je veux pas fail. Je veux pas fail. Je veux pas fail. Oh, mais c'est la guerre. Oh, le tank. Mais il va m'exploser, le tank. Il va m'exploser, le tank. Il va m'exploser, le tank. Dépêche-toi. Ah, ils sont sympas, hein, parce que franchement, normalement le tank il m'explose là, c'est pas... Enfin, je veux pas être méchant, mais... Tiens, on va se faire lui au passage. Voilà, un de moins. On y va. On l'écrase, tout va bien. Taxi. Ce truc de fou. Mais je dois faire quoi là? Allez, allez. Ça va que le tank il s'est pas tiré, c'est cool. Ah mais il y en a un deuxième en plus. Oh là 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 là. C'est un peu abusé comme mission quand même. On est entouré de tanks et moi je suis avec une pelleteuse. Enfin je veux dire il y a un moment, voilà quoi. Moi je suis avec une pelleteuse normale et on va se garer. Normal quoi. On est entouré de tanks. Oh, des poules. Qu'est-ce qui se passe? Allez jusqu'au quai ferroviaire. Allez, on y va. Allez, les gars, quai ferroviaire. On va passer par ici. Voilà, lui, c'est fait. Allez. Lui, c'est fait. Je connaissais pas du tout cet abattoir. Par contre, on est en train de perdre des thunes, là. Je voudrais pas dire, mais plus le temps passe, plus on perd des thunes. Voilà, hop là. En fait, pour tenir 5 étoiles, il n'y a pas photo, hein. Hop là, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, on a encore deux qui arrivent. Et c'est fait. Et c'est fait. Hop, on va prendre Trevor parce que j'aime bien son balayage latéral de sécurité. On y va. On avait la sortie, c'est par ici. Je sais pas si on peut y aller en journée dans cette usine.
Il a plus sa sulfateuse, je suis dégoûté. Ils sont où? Allez, on y va. Je pensais qu'il avait encore sa grosse sulfateuse, mais que dalle. Hein. Voilà. Allez mon pote, on enchaîne. On enchaîne, on cavale. Une grenade, excusez-moi de plus parler, mais la grenade, elle m'a fait un peu peur quand même. On prend le train, allez, on se dépêche. Parce que là, faut qu'on se barre. Hop, en pleine tête. Ça me fait plaisir. Toi, ta gueule. Donc, ils sont où les autres? Il est là. Allez, on se dépêche. Non, il peut pas sauter. Tu m'étonnes avec son armure de plomb, là. Il pèse 800 kilos, le gars. Non, 45 minutes. Donc, il a fallu du temps. On va où, là? Là, il y a du monde. J'ai fail, je me suis fait écraser par le train. Monter dans le train. Attendez, j'ai pas tout compris là. Mais je me suis fait écraser moi. Mais Michael il s'est fait écraser. Bon, ben voilà. Moi je crois que je dois être le seul à avoir fini la mission en me faisant écraser par le train. Hein? J'ai les yeux qui explosaient, ça m'a tué les yeux de me concentrer comme ça. Je me fais vieux pour ces conneries. Mais ouais, c'est fait, je me suis fait écraser. Ça m'a mangé le cerveau cette mission, j'ai fait que parler. Let's go. Easy, easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you're expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay. Here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monstrous. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. Alright. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you, home. Alright. Seat belt. Serious. J'ai envie de te dire. Braquage réussi. Argent perdu 56 000. Part du FBI 6 millions. Dégâts collatéraux. Argent 63%. J'ai gagné combien là? Part de Lester 210 000. Trevor Franklin. On s'est fait 431 000 dollars. Bon, c'était pas dégueulasse. C'est pas génial. J'ai presque envie de te dire. Je comprenais pas pourquoi ils continuent à tirer les autres puisqu'on s'est barré. Donc ils se font la guerre entre eux. Ça va. Si je pouvais avoir ça sur le multi, ça me ferait plaisir. Mais là, je les ai pas. Les amis, on va rester là. On va en rester là. Épisode 19 terminé. C'était bien sympa. Ça m'a bien fait plaisir. Portez-vous bien. Je vous kisse la molaire. Et comment ça va? Ça fait vraiment trop bizarre de t'écrire comme ça. On se croirait dans les... Tu sauras pas la suite. Ciao.